Je suis le trimaran SVR Lazartigue. Je suis bleu, je suis beau, je suis fier. Je vais naître ici dans quelques minutes avec vous tous et je me sens merveilleusement bien. Mon histoire, ma vraie histoire, commence il y a presque 4 ans. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de faire de la course au large. C'est imaginer, concevoir, construire des bateaux avec des prestataires, et des architectes, des chantiers de construction navale. On ne fait pas ça tout seul, mais on essaie de rassembler en fait toutes les entreprises dans le milieu de la course au large capables de construire des bateaux. On est passé de la gestion d'un bateau, un sponsor, un skipper, à plusieurs bateaux, plusieurs skippers, plusieurs sponsors, avec des équipes qui sont parfois sur plusieurs sites différents. Et pour arriver à gérer, à garder un esprit d'équipe en fait le plus efficace possible, même si on n'est pas au même endroit. On va avoir un peu trois pôles. Un pôle d'ingénierie, de conception, de design, bureau d'études. Une partie plus atelier, production, essayer de réaliser les pièces qui ont été imaginées par des ingénieurs. Et après, un autre pôle qui est sur la gestion pour que tout ça puisse fonctionner. On a évité, en passant de monoprojet à multiprojet, de construire la boîte en silo. Quand ils trouvent des bonnes choses, des bonnes solutions, qu'ils puissent tout de suite, dans l'instant, pouvoir les partager en interne. Et de la même manière, quand ils rencontrent des problématiques, qu'ils puissent trouver des solutions, mais pas dans leur groupe, de manière transversale le plus possible, puisqu'on a forcément, avec l'expérience connue par ailleurs de Merconcept, une réponse quelque part chez une des personnes. L'humain est central dans toute démarche, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas des robots qui les inventent, les idées. C'est des hommes, c'est des équipes. Quand plusieurs personnes viennent apporter des idées différentes, et ça en fait une innovation. Une course de bateau à voile, il y a énormément de décisions qui se font avant le départ de la course. Dans le montage d'un projet avec des partenaires, dans la construction d'un bateau, il y a des décisions à prendre. Au moment où on est sur le départ d'une course, il y a déjà plein de décisions ont déjà été prises, donc il y a déjà plein de choix qui ont été faits. Il va y avoir des échanges entre, d'une manière générale, l'entité qui a réfléchi, qui a pensé, qui a imaginé, qui a dessiné des pièces, et la partie de réalisation qui, évidemment, peut et doit être inclus dans la conception, pour savoir si c'est possible, si on peut construire de cette façon-là, et pendant la réalisation, vérifier que c'est bien fait comme le plan le demande. Et si on a des bonnes idées qui arrivent pendant la construction, on va essayer de voir comment on peut modifier au fur et à mesure. On va d'abord démarrer la construction des gros éléments, donc les flotteurs, la coque centrale, les bras, etc. chez des sous-traitants. Donc, et une fois que ces éléments sont terminés, on va les recevoir petit à petit donc dans notre bâtiment ici à Concarneau et on va assembler entre guillemets le puzzle. On va ensuite installer tout ce qui est accastillage, tout ce qui est électronique, hydraulique, etc. Faire la peinture et ensuite on sortira le bateau tout beau, tout propre, puis après démarrer la période d'essai en mer. Chez Merconcept, on travaille énormément à distance. On est beaucoup en multisite, on encourage énormément le télétravail. On avait pour volonté de pouvoir relier les hommes et du coup des skippers qui sont en mer à l'atelier, aux personnes qui sont au bureau d'études. Et Klaxoon s'est invité comme vraiment une solution adéquate parce qu'on peut via une plateforme commune pour tous les supports, que ce soit les skippers qui sont en mer ou les personnes qui sont dans l'atelier, pouvoir de manière synchronisée partager des informations qui sont utiles aux deux. Klaxoon est là pour réunifier les deux mondes. Il faut vraiment créer du lien entre les personnes et arriver à avoir une façon de fonctionner pour que tout le monde puisse avoir accès à un maximum d'informations et puisse facilement apporter des idées, des informations à l'ensemble du groupe. Klaxoon nous permet justement de mieux optimiser les échanges entre les personnes, entre les projets, entre les différents métiers pour arriver tout simplement à avoir de la performance à la fin et des bateaux qui tentent de gagner des courses.